Voilà. Par contre, on a peut-être des petits soucis de touche au début, hein, forcément, mais voilà. Alors, j'ai vérifié dans les paramètres. Normalement, moi, j'ai mis le paramétrage en AZERTY. Donc, normalement, il devrait reconnaître le clavier. Puisque tu peux justement dans les contrôles choisir AZERTY ou QWERTY. Donc moi je l'ai bien mis en AZERTY. Mais on peut changer après, je pense, s'il faut ça. Ah, il y aura comme ça sera comme le jeu de à une main, il y aura une histoire d'équipement. Donc La balle du gommage. Je vais me faire dessus. Le jeu m'a l'air sympa. Moi, la seule peur que j'ai, tu vois, justement en voyant l'équipement là comme ça, c'est est-ce que ça va pas trop ressembler à Phasmo? Ah, Phasmophobia. Alors, trouvez une couronne royale et prenez 60 000 dollars. Ah, tu peux trouver dérober la couronne. Ouais, et 60 000 dollars de valeur. Putain, c'est beau. Ah, bah, heureusement que j'ai mis moyen les performances. J'ai 8 images secondes. Faut arrêter. Ouais. Ah bah il marche à la manette le truc. Ah bon? Ouais. Bah, j'ai une manette, ok. Putain, attends, moi j'ai la vue, elle est trop rapide. Trésor dans le sac d'équipe à 60 000 dollars, une couronne royale. Alors moi j'ai un gros problème de lag, parce que mon ordi est pas assez puissant. Merde. J'ai 10 images secondes déjà, c'est pas cool. Au niveau des touches ça va, hein? Merde. Est-ce que je peux changer le... Eh ben, heureusement que j'ai pas laissé en sublime mon. En extrême, je crois que c'était extrême le gros là. Attends, je vais tout mettre en bas, bas. Ah non, je vais tout mettre en bas là, parce que c'est catastrophique. Je suis désolé, mais. Ouais, appliqué. En fait. Ah oui. J'essaye de passer prendre un toki, mais. Ah, c'est mieux. Il a des grosses fesses, alors j'arrive pas à passer. Pardon. Ah, c'est bon, c'est. Je me bouge. Ah, mais c'est l'entrée du camion, ça. L'entrée, le. Putain, c'est quoi ce délire? Oui, attends. On veut les. Ah, les sacs à dos. Ah, on peut pas prendre les sacs à dos. Pardon. Ouais, c'est bizarre. Non, pas prendre les sacs. Ouais, si vous avez... comment on se barre? Appuyez sur... On va se mettre... Allô? Oui? Oui, on a le micro. Appuyez sur entrée quand on est prêt. Ah, alors entrée, d'accord. Est-ce que tout le monde a pris un toki? Non. Ouais, j'en ai un. C'est pas un toki, c'est un outil de piratage. Ouais, un outil de piratage, du coup, il y en a un. Maintenant, je me mets prêt. Tout le monde a pris le stuff. Ah, j'avais pas pris la bonne touche. Ah! Oh, cette téléportation! Trouver la salle de coffre. Oh, téléportation. Laser, et nous on est où? Mer. Eh, j'ai tout mis en. C'est pas mer, c'est IR. Ah oui, IR, non mais moi j'aurais écrit mer alors. Speak English, pour là. Qui c'est qui tape? Je sais pas. Il y a une touche. Ah! Ah ben! Qui c'est qui est parti dans le... Mais je visite, moi. Mais oui, mais on n'est pas là pour visiter. Ah, merde. Là, déjà, hop. Attends. J'ai piqué un calice. Comment ça, c'est venu de toi? Le boudoir, qui c'est qui ouvre? Ah, merde. Ah, moi, j'ai mis un calice dans le sac, c'est bon. Déjà volé. Ah, les calices. Ouais, j'aime beaucoup les calices. Ah, faut une clé. J'ai perdu mon pied de biche, hein. J'ai mis un deuxième culiste. Je peux voler les bougies? Bon, bah je suis déjà fait prisonnier, tout va bien. Ah mais il y a une clé là. C'est... Ah moi ça a l'argent. Vous pouvez lancer les objets que vous avez en main. Ah, je vais vous balancer la clé à travers les barreaux les copains. Ah, c'est pas la clé. Sors, vite la clé. Non mais sors, sors, cours. J'ai pas de serrure. Vous avez récupéré la clé? Ouais, c'est bon. C'est bien. Enfin, je la porte. Attends, je remplis le sac, moi j'ai piqué tous les champs de. J'aime bien la logique là, j'ai l'impression qu'on fait une épreuve à Fort Boyard, j'aime beaucoup. C'est ce que j'allais dire, c'était hier. Il y en aurait pas un qui aurait lancé son pied de biche. C'est moi, il est où? Voilà. Il est où? Oh, il y a des bijoux là. Ah, il est là.
cravate. J'aime bien Christella. Oh, il y a des bijoux. Ah, mais. Hey. La pivoleuse, on va l'appeler. Oula, attention, il y a un laser là. Il y a un diamant. Tiens, c'est vous le stage. Merci, tu m'as libéré. Fais attention, avance. Putain. Là, il y a un truc au mur. Ah! C'est quoi ça? J'ai dit attention, il y a un truc au mur, il y en a un qui est passé devant. Ah merde. Non, mais je vois rien, moi, j'ai du caca dans les yeux. Ça s'est rallumé? Ah, c'est... j'ai mis des jongleurs. Ah, pas coéquipier. Dans la petite salle. Vous pouvez être certain que je vais faire toutes les bêtises à pas faire. Est-ce que quelqu'un veut passer sous la grille que je suis en train de tenir? Oui, est-ce que c'est prudent de passer dessous? Non, c'est surtout que ma force est en train de s'épuiser, donc je vais pas tarder à lâcher. Ah, c'est bon. Ok. Là, il y a un truc. Ouais, ok. Oh putain, il y a un truc apparu devant moi là. Une espèce de Enderman, mais bon. Une ombre, une silhouette noire. Ça, je sais pas où ça c'est. Ouais, c'est juste le... je comprends pour passer, moi. Oh, le principal. Espèce de... Ah, lol, il est pas dispo dans le lol. Ah, il y a une porte qui ouvre. Ah, pareil, faut que là. Attends, il y a quelqu'un là-bas au fond, c'est qui là? Coffre-fort. Il y a quelqu'un qui frappe depuis le coffre-fort. C'est qui ça? Ah, tiens, le sage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un coffre, vas-y. Appuie sur le coffre. Non, juste derrière toi. Derrière moi, il y a un coffre. Dans la pièce, il y a un coffre. Oui, exact. Besoin de. Pour trouver le code. Besoin de je sais pas quoi pour trouver le code. Ah, merde, un truc. Activer disjoncteur. Ouais, au pire, ça tourne. Ça, c'est la lumière, ça. C'est quoi ça? Ah, bah, c'est truc de piratage. Attends, j'ai. Donc, oui, moi. Attends, j'avais commencé à ramasser tout et n'importe quoi, mais en fait, je pense que le sac est limité pour s'enfuir. Donc, il faut faire attention. Ouais, tu peux pas te surcharger. Il est bizarre. Qu'est-ce que j'entends? Moi, je viens de péter la vitre pour ramasser des bijoux. Magnifique, ok, tout va bien. Pourquoi si je comprends pas? Ils me font un coéquipier pour pirater le, le coffre. Voilà. Parce que c'est la salle de contrôle. Oh. Quoi? Mais arrêtez! Droite! Mais non, mais arrêtez! Oh! Oh! Bas! Quoi? Attends. Alors, bas! Temps écoulé. Oh, c'est horrible! On recommence! Alors, ça m'a l'air très intelligent comme jeu. Mais alors, vas-y pour le comprendre, le machin. Attends, avec un coéquipier, je veux bien, moi, mais. C'est bon, parti! Vas-y! Alors, bas! Droite! Droite! Haut! Droite! On a gagné. On a gagné quoi? Bah, l'ouverture du coffre, il y avait quoi dedans? Un bracelet en argent. D'accord. Alors, moi, tout ce qui est inférieur au prix du bracelet en argent qui est à 300, je l'ai sorti du sac. Parce que j'ai balancé tout et n'importe quoi dedans, mais après, le sac est blindé. Oh! Une clé pour aller dans le bureau du directeur. Moi, j'ai pas la clé. Je peux pas descendre. Il y a quelqu'un qui a jeté son truc de piratage là. Ah, à côté du, du Dijon. Mais on a pas mal de matos. En fait, l'appareil photo là, Polaroid, est une arme contre certaines entités magnifiques. Oh, j'aime beaucoup le rond d'un drone. Attends, les autres ils sont partis où là? Alors, l'autre dans notre pièce sont disponibles dans un jeu de niveau procéduraux. J'ai ouvert des à son côté. Putain, mais il y a des gens qui frappent aux portes. Faut pas les ouvrir. Le sage, j'essaie de soulever la porte là. Okay. C'est qui soulève la porte? Ok, 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 attends. C'est moi. À côté de la grille. Attends, il y a un bouton, c'est mieux. Oui, non mais ça marche pas. J'ai ouvert le passage qui était à côté, dans le principe il est déjà ouvert. Ouais, mais là je viens de l'ouvrir.
porte. Écho. Écho. Oh, il y a une porte fermée là. J'ai ramassé un diamant à 4000$. Ça, tu peux aller rapidement le mettre dans le sac. Ouais, tu as raison. Alors, la petite chose qui est dommage, alors, c'est mieux pour l'immersion, mais moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on ait nos pseudos au-dessus de nos têtes. Mais il dit ça ? Ah, non. Oui, non, mais il faut que tu sois collé à la personne. Ça, c'est là où le sage il s'était fait capturer. Ouais. Non, le seul passage, c'est ouais, c'est ici et à gauche. Et à gauche. Non, ça marche. On peut courir ? Oui. Oula. Non, ça, c'était ton pied de biche. Ah, merde. Faut que je balance à chaque fois. Alors, on triche avec Discord, en fait, entre nous. Donc, je peux balancer le Tokiwoki. Ah tiens, tu pirates avec moi ? Ouais. Et tu pirates avec moi. Ah, alors, oh merde, j'ai lâché le Polaroid. Du premier coup, on est trop fort. Bravo. Ah, bah, hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Le point principal. Gros couloir, ce corridor sans fin. Coffre fort. J'ai trouvé un flingue. C'est quoi ce corridor sans fin ? Il y a une clé tout en bas sur le statue là, c'est bizarre. Ah, faut la prendre la clé. Il y a pas un téléphone qui sonne. Il y a plein de lasers autour. J'entends un téléphone qui sonne. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. Mais il est là. Réponse. Bah non, mais il est décroché déjà. Ah, une porte était là en bouche du corridor. Là, je fais la même baraque dans Minecraft, moi, elle est trop bien. Il est où le directeur ? Tu me fais le schéma, je te la refais. Hein. You might have. Bureau du directeur. Ah, juste derrière toi, là, je sais pas qui c'est qui est avec moi dans la salle des ordis là. C'est moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un coffre avec un code de dévoyage à faire. Combinaison ? Bah non. Non, c'est un truc à pirater, non ? Ouais. Vas-y, go. Sorti. Ah oui, alors, haut, gauche, droite. Alors, le premier, je l'ai mis au hasard parce que j'avais pas entendu. Oh, diamant. Un gros saphir, ça. Ça va être. La statue, elle a une clé. Voilà, la statue, elle a une clé, la statue. Salle de stockage ouest. Alors, n'hésitez pas à ouvrir grand les yeux. Hein, les le saphir, il vaut 2400. Ça, je m'en fous. La lampe, le microphone, il faut 280$. On s'en fout. Je vais poser le saphir dans le sac. Un musée, hein, c'est pas une baraque. Merde. Ah, le parloir. Bah, c'est là où j'avais entendu des trucs, non ? L'outil de piratage de quelqu'un a été jeté au sol dans la... Oui, c'est moi. Je voulais m'en débarrasser parce que... Prout, merde. On trichote avec... Ah, attends. Il y en a qui ont mis des bouquins, là. Hop, les bouquins, on va les dégager. Ah, les bouquins ont pas de valeur. Si, mais 40, c'est que dalle et on a de la place limitée dans le sac, donc... Effectivement... Par contre, j'ai récupéré un fusible, hein, doit y en avoir besoin quelque part. Ah, tiens, c'est quoi ici ? Ouh, le diamant caché sous le tabouret que personne n'avait vu. Oh. Ouais. Ah, sac poubelle. Il y en avait pour 4000. Le sac, on est à combien ? 47200 le sac, hein, déjà. Hein. Oh putain! J'ai vu quelque chose que j'aurais pas dû voir. Des lumières qui pètent de partout. Là, le singe? Je. Merci voilà. D'avoir ouvert la porte. Non, je t'en
t'en prie. Verrouillé de l'autre côté. La salle de bain est verrouillée par une clé. C'est pas bon signe hein, si ça pète. Hein. Oh putain! Il y a un truc qui m'a qui se fait choper! Dans la tronche! Oh! Je vais mourir! On arrive, on arrive. Attends, je te relève. Eh, j'aime bien parce que tu peux maintenir la touche pour relever la personne ou juste appuyer une fois pour lui voler ses affaires. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ah, c'est vrai, où le sac? D'accord. Où le sac du début? Fais attention au laser. Hein. Ouais, au début, il est partout. Ouais, il y a sûrement des pièces, des grilles qui tombent. Et c'est moi ou les deux du bas sont pas activés là? Non, les deux du bas sont pas activés. C'est quoi ça? Hop là, un passé à 1200 dollars. Oh, de l'autre côté encore. Et il y a une dite salle de contrôle. C'est marrant, ils disent alimentation nécessaire, mais je comprends pas ce que c'est l'alimentation. Ouais, bah on trouvera sûrement une batterie ou je sais pas quoi. Attends, moi je vais essayer de retourner à la salle de contrôle. Attends, là il y a une salle, là, il faut soulever le truc et que quelqu'un passe dessous. Hop hop hop. Cassez-vous, il est derrière moi. Ah bon? Mais qui c'est qui a ouvert la salle de contrôle? Vous avez fait fort. C'est que... Ah ouais, on est fort nous. Ah oui, vous êtes très fort. Contrôle. Ah oui, c'est là qu'il ah bah c'est, c'était moyen de une scène, il y avait juste à pirater. Masse blanc. Y a pas quelqu'un dans les parages là pour passer de dessous? Bah non, désolé. Ah y a... j'ai. Non, c'est, je sais pas où c'est ça. Est-ce que quelqu'un voit la sérieux la... Qui c'est qui a mis un sac poubelle dans le sac des trucs à emmener? Hein? Quelle idée de mettre un sac poubelle? On gère pas les ordures. Alors par contre, ouais. Non, va falloir que je. Ouais, et il nous reste une seule place dans le sac plus la couronne. Je dis ça. Il y a une clé en fait qui est. Qui c'est qui est en face de moi là? Sur une statue. Attendez. Je gère les caméras. La t'es première sûr qu'il y a quelqu'un est très intéressante. Face de toi, Christella. Oui, Twinsen, demi-tour, viens, suis-moi. Dans la grande salle aux expositions avec les millions de lasers là. Il y a une statue derrière une grille. Elle tient dans la main une clé. Voilà, vas-y, il faut que tu passes dessous. C'est là où il faut faire l'alimentation. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive. Ah bon? Ah oui, il y a un gros méchant. Ouh putain, il m'a fait un secours. Il y a quelqu'un qui gérait l'armoire électrique et dans le couloir, il y a un monstre qui est passé. Oui, il vient de m'attraper. Ah merde. Et toute une scène, il est enfermé. La salle de stockage, elle est trop bizarre la salle de stockage. Et toute scène, tu peux pas sortir pour me réanimer parce que je vais crever. Ah bah non, faut être deux. Y a pas un bouton à l'intérieur pour rouvrir le. Normalement, t'as un bouton à l'intérieur pour ouvrir. J'ai un truc bougé, c'est trop bizarre. Ah ouais. Bon, j'ai pas compris. Bon, moi je vais mourir. Ah, ça s'ouvre. Bah attends, je sais pas où t'es, Christella. Moi je veux bien savoir. Ça y est, je suis morte. Alors qu'est-ce qui se passe quand t'es mort? Tu peux revenir dans le jeu ou t'es disqualifié? Non, je vous regarde, je peux plus rien faire. Ah, t'es disqualifié, merde. Oh, t'avais rien dans ton sac. Bah bon, on a les 60 000 déjà, il nous manque plus que le. J'ai continué à fouiller la. Pourquoi il fait plus sombre ici? C'est bizarre, c'est comme s'il y avait le mob pas loin. Moi, c'est toi qui es en face de moi, le sage? Oui. Cours, il y a le mob! Oh merde! C'est pas grave, il va despawn, je vais te relever. Aïe, 30 secondes avant. Voilà. Dès que t'entends le boum, tout doucement des pas qui, c'est que le mob est pas loin. D'accord. Alors, j'ai changé un truc dans le coffre-fort, ça a peut-être changé les lasers, je sais pas. Vous pouvez regarder les caméras ou pas? Non, j'ai plus personne à la caméra. Tentez où qui cède? C'est bien fait comme ambiance. Ouais, je suis un peu plus loin dans le couloir. J'ai passé à la salle de contrôle. Ouais. Je suis dans la salle avec les lasers là. Ok. Est-ce
que les lasers ont changé quelque chose. Parce que moi, j'ai un prairie, j'ai trois possibilités de chemin différents. Le coup des violons, de l'angoisse. La question, c'est est-ce que les lasers nous intéressent maintenant qu'on a... Mais faut la clé, il y a une statue qui est inclinée normalement. Ouais, mais c'est peut-être pas forcément la bonne salle. Ah. Parce que moi, là, il n'y a que deux statues dans cette salle-là, il n'y en a aucune qui a le... la position de celle qui avait la clé. Alors, faut peut-être souvenir un objectif. Bah là, l'objectif, c'est de trouver... C'est moi. Qui en face? C'est moi. Bon, en même temps, le truc, il fait deux têtes de plus que nous, alors... C'est pas bon. Ah, je l'ai perdu, le machin. Ah bon? Ouais. Il arrive. Je me demande si mon pistolet avec la fléchette, il fait quelque chose. Pas mal, l'ambiance. Le bureau du directeur est aussi verrouillé avec une clé, comme la... Non, faut qu'on aille là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On va se bloquer. Bah on peut, parce que en vrai, le monstre, quand il tue quelqu'un, il despawn. Donc si on est trois... Ouais, il est derrière toi. Bon, bah je vous suis. Eh, regarde, on l'a tous éclairé avec la lampe, il a despawn aussi. Ouais. Allez, c'est une avance. Ah, mais j'ai perdu mon appareil photo, moi. Ah, merde. Je voulais flasher le monstre avec l'appareil photo, mais non. Ah, le coffre-fort. Je crois que j'ai vu le monstre. Il était derrière moi. Il nous manque un fusible. Je crois qu'il est là. Ah, mais des bruits. J'entends des bruits. Ouais. Oh, j'ai... Non, attends, j'ai... Ça... Voilà. J'ai mis un fusible sur le truc de la maintenance. La porte de la maintenance doit être ouverte. Oh. Ouais, mais il n'y a rien dedans. T'es sûr? Ouais, mais tu peux faire un tour. Mais je sais plus où c'était. Bon, je commence à frissonner. L'ambiance est bien. C'est pour ça que j'avais dit de pas jouer avant. Comment ça jouer avant? Non, de tester le jeu avant. Moi j'ai rien testé du jeu. Je suis ici. Regardez la surprise. La surprise, motherfucker. Eh, je crois qu'il me poursuit, le salopard. J'entends les pas sourds, j'aime pas ça. Mais si, il y a quelque chose dans la maintenance. Ah, on s'est isolé, au secours. Il est là. Non, il va me tuer. Je suis dans la console. Non. Ah, je suis en PLS. Bah, je suis près du tourne-disque. Je suis en face du tourne-disque dans le salon. Oh non, ah, il en voulait à moi. Tiens, j'entends une alarme. Merci petit Seb. Ok, bien joué petit Seb, merci. Moi j'ai besoin de quelqu'un. Ah bah je te suis. Mais comment vous faites pour courir? Moi j'y arrive pas. Bah la touche mage. Là je peux pousser. Non, alors je peux me pousser. Ah, c'est ça! Non, mais à la manette, j'essaie de tout faire à la manette, je viens de trouver, merci. Ah! Il y en a qui s'amusent à déclencher toutes les alarmes. Ah bah c'est quoi? C'est tout à l'heure. Ah non, ça c'est la sortie. Oui, ça c'est le truc. Oui, c'est par là. La maintenance. Oui, qu'est-ce qu'il y a à la maintenance? Bah, fallait taper avec le pied de biche sur la grille. Oui. Là, je faisais fort. Voilà, et maintenant tu peux aller te mettre vers l'autre grille là. Ouais, tu vois, il y a un bouton. Ah, vas-y, passe. Allez, petit chef, allez. Tu veux y aller, Tunsen? Tu veux? Tu peux venir, hein, parce qu'il y a plusieurs passages. D'accord. Attends, les casiers, vous les avez fouillés, non? Ouais. Il y a un coffre. Alors. Ouais. Là, à la maintenance, il y avait un coffre, vous l'avez, il était pas ouvert. Quoi? Le truc derrière vous, là, non? J'ai activé un truc, je sais pas ce que ça fait. C'est qui est avec moi? C'est moi. Il y a un géant avec des yeux. Gauche. Ah, tu nous rejoindras pour le supermarché. Ok, merci, AJ. Salut, AJ. J'espère que ça va bien. Oui, il y a que coucou tout le monde.
Regarde combien il fait, quoi, à combien il coûte le bracelet. S'il coûte que 300, tu peux le bazarder. Comment on peut savoir qu'il coûte combien là, le truc là? Tu regardes dans l'inventaire. Tu regardes dans ton inventaire. Tu les prends dans ton inventaire, tu peux tu passes dessus. 1200. Voilà, tu le gardes. Là j'ai quoi? Ça coûte 300. Là j'ai pris une statuette de lion ailé qui coûte 5000. Oui, bah tu la gardes précieusement. Mais ça se trouve, il y a des trucs à 1000 qu'on va bazarder hein, pour avoir plus. Hein. Il y a quoi là-dedans? Ah, mais c'est un casier. Donc ça va, vous trouvez votre bonheur? Hein? Ça fait quoi ce machin? Ça allume les lumières pendant un certain temps. Ah, c'est une minuterie. Wow, en fait. Qu'est-ce que je vois là? C'est quelqu'un qui joue avec sa lumière? Je vois quelque chose qui allume le couloir. Ah, le monstre est là. Je l'ai vu de trop près. Je retourne dans mon trou de souris. Moi, je l'ai vu de loin. Moi, je l'ai vu de trop près. Il m'a fait peur. Voilà. Tiens, je vais lui faire peur. J'ai trouvé une clé. Ah, bravo, GG, tu ne sènes. Mais je sais pas comment faire pour la prendre. Ah, c'est un autre. Ah, bah, il m'a vu. Oh, putain. Il m'a vu, la bestiole. Salle de stockage ouest. Attends, j'essaie de te sauver. Ouais. C'est là où il y avait le petit coffre là où on a trouvé un truc là. D'accord. 22 secondes. T'es où? Terre. Ah, t'es là. Alors, A pour aider. Ah, c'est bon. Oh, magnifique. Il y a une clé là, juste derrière là. Merci pour ce clip. Merci pour ce clip. Clé salle de bande. Clé salle de bain. J'ai clé salle de bain. Merci Tomou. Ah, il est pas loin de. C'est là où le monstre m'a chopé. Oh. Mais encore. Non, c'est pas juste là. Elle est où la clé salle de bain? Ah ouais non. Elle est là la salle de bain. Elle est juste à côté de l'entrée. Ah, je suis où moi? Salle de stockage. Salle de bain. Il s'est passé un truc, je crois. Non. T'as le monstre juste à côté de toi, là. Qui? Il vient de se taper. Qui, toi? Moi, je suis aux toilettes. Oh merde, j'entends des bruits. Il y a un truc dans les toilettes. Ah, c'est moi. Attends. Non, 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 regarde dans les toilettes. Oh, pardon. Ah, dans la cuvette? Ouais. Quoi? Ah, il y a une tête. Ah. Et dans le lavabo, regarde dans le lavabo. L'autre. Comment ça? La clé du bureau du directeur. Attends, j'avais une entrée dans les toilettes en haut là. Je vais me faire popo dessus, l'ambiance est terrible. Merci pour le. Ah, qui c'est qui grimpe? Il y a quoi en haut? Je vais grimper, il y a un pied de biche. Ça ramène dans la salle de contrôle. Ah merde. C'est moi ou j'ai vu un truc bouger dans le couloir? Et des bruits bizarres. Ah! Ouais, c'est ça. Le monstre, quand il te court après, tu te retournes, tu l'éclaires et il disparaît. Alors, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Au début, j'avais 5 barres d'endurance, maintenant j'en ai plus qu'une. Ouf, faut manger quelque chose peut-être. Ah, tout ça, faudra avoir à manger. Ah, y a pas de frigo dans cette grande demeure? Y a un garde-manger. C'est pareil, j'ai plus qu'une barre d'endurance aussi, moi. Ça vaut 400, je le pose. Ça vaut 6000, je le pose. Ça vaut 6000. Alors, le monstre nous a maudit. Ça vaut 300. J'ai déposé le truc. On fait quoi, chef? Pardon. Ah, mais j'ai un collier à 300, là. Hop, tu dégages, toi. 300, c'est rien, ça. Pour alimenter la porte de la salle du coffre. Ouais. Alors... On a largement assez là, attends, je vais le remplir avec des trucs que vous avez pas. Enfin, regardez, 300, bon, ça je vais le bazarder. Le ça, truc, le... Non, 780. Ah, attends, parce que le 780, tiens, je le bazarde, on s'en fout. Ça je bazarde, on s'en fout. Le truc le moins cher qu'on a dans le sac, il vaut 1200. Donc si vous avez un truc à 1200, c'est même pas la peine de le prendre. J'ai 3200 là, faut faire un trou là, c'est bon, voilà.
Non, moi je vais me débarrasser d'un truc à 300. Si ouais, mais il va falloir faire encore un trou. Hein, parce qu'on a la couronne à récupérer. Oh la couronne. Pourquoi j'entends une musique bizarre? Tu vas pouvoir me relever, Twinsen. Ah ouais. Oh, petit Seb s'est fait avoir au parloir. Bon, encore, je suis pas loin, ça va. Bah tant mieux. T'es pas loin à faire. Voilà. J'étais pas loin. Alors, attends. Oh, la lumière. Et il a fait sauter le courant, il faut aller éteindre et remettre. Vous frissonnez pas, vous ? Voilà. Bon, elle doit être dans le coffre-fort, mais... Ah, mais là, ouvrir, hein. On voit il y a oui. Là. Il faut qu'on aille dans le bureau du directeur. Ouais, mais il faut une clé. Et je l'ai. Ah bon ? C'est en face, c'est tout droit. Ouais, je sais. Oh ! Il y a une porte qui a claqué, c'est vous ? Oui, non. C'est nous. Ah ! C'est une twin. Ah, ça. Là, il me faut un copie-pied pour pirater le coffre. Ah, t'es où, petit Seb? Je sais te rejoindre. Laisse tomber, on va mourir. Ah, bah oui, merde. Pourquoi il est là? Ah, bah... il est dans le bureau du directeur, dans la bouche pourrie. En fait, le mob a spawn dans le bureau du directeur pendant qu'on était en train de pirater. Oh, ouf. Ça va, vous vous en sortez? Bah, faut un coéquipier pour le coffre là, j'attends. Bah, j'arrive. Il y a une clé sur le piano, alors, la table ou je sais pas quoi, là, le bureau. Bas, droite, haut, bas, bas. Écoutez, quoi de temps? Une tire. Merde, il est là. J'ai une boîte à 4500, ça coûte 40, on s'en fout. La tire, elle coûte combien? Merde, il va me choper, c'est quoi? Alors, la tire, 1200. Ouais, tu peux l'acheter. Par contre, j'ai une statue d'hippopotame à 6000. Oh. Oui, on va acheter des trucs qui sont à 1200 dans le sac et on va aller déposer le butin et ensuite on reviendra. Vous avez pris la clé sur le bureau? Il y avait une clé sur le bureau, je l'ai pas vu. Ah, il n'y a pas de clé. Ah, si, une clé. Non, j'apprends, je suis à côté. Oh merde, il est là. C'est la clé de quoi ça? Clé sortie. Ah bah voilà. Ah oui, celle-ci, vaut mieux la prendre. Mais on a pas trouvé encore la tire. Oui, mais t'inquiète, on va la trouver, ça va se faire. Alors, les trucs à 1200, ça coûte 1200, ça coûte 1200. On va mettre ça, on va mettre ça. Et toi, t'as un truc. T'as un truc. Putain, mais il y a un collier à 300 là encore. Allez, non, tu dégages. Mais il nous a repéré, il est là. Ah, il est là, il arrive. Je vais tirer dessus. Il a disparu. Oui, mais c'est pour mieux nous retomber dessus. Voilà, j'ai mis mon truc. Voilà, et il nous reste une place. On est un peu. Ouais, toujours où elle s'approche. Quelle. Alors, dans la grande salle où il y a les statues, là, entre guillemets, les statues des lasers, il y a une grille qui est fermée encore. Non, non, elle est ouverte. Ah bon? Oui, c'est là où j'ai chopé la clé. Ça vaut pas de la thune, ça vaut combien? En fait, depuis les toilettes, il y avait une bouche d'aération, tu pouvais t'accroupir et passer. Bon, bah tant pis. Ah, mais il y a des statuettes à 900 là. Bon, on trouvera. De toute façon, vu ce qu'on a, on en a pour 100 000, hein, le casse. Tu peux avancer, le sage? Qu'est-ce qu'il y a? C'est largement, hein. J'aurais bien fait. Explique-toi, petit Seb. Bah, je voulais que tu te déplaces, que je puisse avancer. Je vais à la maintenance poser le. Oh, le monstre est dans la grande pièce. Le monstre est là, je le vois. Il court, il est là. Il va choper le tien. Même pas. Je te ramène après. D'accord. Ouch. Oups. Iggy. Comment tu n'aimes pas le monstre? Poncez au coffre-fort. Coffre-fort. C'est où? Il est à côté de la salle de contrôle. Enfin, pas loin. C'est au début. Ouais, moi j'ai mis 5 barres. Déverrouillez. Putain, bah là je suis mort dans le coffre-fort. Et où ce coffre-fort? C'est quand tu sors du début, c'est juste en face de l'autre côté là. Ah bon?
Oui, c'est tout au début. Allez, oh les merde, gars, le monstre là. Waouh, cours, Nodin, cours. Galope. 10 secondes. Ah oh, putain, je vais pas... vous allez oui, pas y aller. Je te vois pas, je suis désolé, je te cherche. Ah mais ça c'est le problème. Là il faut arriver à se. En fait dans ce jeu mais c'est bon je suis mort. Qu'est-ce que là c'est voilà c'est là et c'est à ta gauche. Une scène et je là encore. Pas popo dessus. Voilà. Non mais il était dans la salle de contrôle de ville. La porte est fermée. Bah oui mais si tu cours sur les détecteurs c'est normal. Ah, mais il faut être à deux pour faire le piratage. Donc t'es obligé d'attendre le sage. Oh, j'ai vu le vilain. Bah, il m'a vu aussi. Oh, merde. Ah, en plus... Ah, oui, bah oui, t'as la clé de la sortie. Il est dans le coffre-fort. Ah, d'accord. J'ai la clé de sortie en plus. Ah, petit sept, t'es là. Ah, mais t'es loin. Ah bah tu m'étonnes que je t'ai pas trouvé. De l'autre côté, le sage, t'as le bouton. 15 secondes. Ouais. Ah. 12 secondes. Baisse-toi pour passer le plus 8. Vite. 7. Ah, 8. Dépêche-toi. Où il est là? Il est où? Ah, ah. Va pour 30 secondes. On peut pas fermer la porte tout simplement, non? Parce que... C'est bon, non, parce que bah, t'as vu quand on était dans le bureau du directeur, il faut que vous piratiez à deux là. On pirate à deux. Alors, attention. Haut, bas, haut, gauche. Haut, bas. Haut. Gauche. Encore quoi? Encore. Je fais quoi? Gauche. Ah, gauche. D'accord. Non mais en fait, c'est vraiment ton synthétiseur de voix, Tunsen, il nous aide pas à comprendre ce que tu dis aussi. C'est vraiment relou. Désolé, mais c'est vraiment relou. Et là, il y a un monstre qui sort dedans. Bah là, vous avez la couronne, faut la mettre dans le sac. Oh, je veux bien. Bah, mets un coup de pied de biche. Non, ouais. Mais je suis bon. Je peux plus... Ah, le mauve. Le monstre, là. Bon. Mais non, putain. J'allais l'aider. T'aurais dû attendre qu'il despawn en fait. Ah merde. Bon bah. C'est perdu. Bah, ah, voilà, vous êtes voilà. Tous les deux à terre. Il despawn, mais faut lui laisser le temps de despawn. Ah. On allait réussir le casse du siècle, c'est dommage. Et j'aime bien parce qu'ils nous disent bien qu'on a trouvé la couronne. Oui, c'est beau. Oui. Wouh. Part du patron, oui, 90%, oh la vache. Voleur de coéquipier, petit Seb. La victime, c'est Nana Mouche qui pue. Enfin, ouais, c'est vrai, ça veut dire que c'est lui qui a pris le plus cher. Le pire coéquipier, contre... c'est moi. Et le meilleur coéquipier, c'est moi. Je sais pas. On en refait une. Je suis à la fois le meilleur coéquipier et le voleur d'équipe. Hein. Ouais. Et le voleur de coéquipier. Ouais, je pense que... Oui, on est obligé de retourner au menu principal. Mm-hmm. Tu recrées la partie, Twinsen? Ah ouais, c'est bon. Ah, j'invite. Ah bah moi, j'y suis dans ton truc. Ouais. On s'en refait une et je pense qu'après, on ira au supermarché une fois que... Voilà, il va y avoir encore une heure, je pense, de jeu. Ce qui fait que... Il aura pris son goûter, EJ, le Benjamin de la troupe, qui veut nous rejoindre pour le supermarché. Oui, parce que là, t'as juste cette map-là, t'en as pas d'autres, hein, c'est ça? Oui, bah c'est la prologue, hein, c'est la... Ouais, c'est sympa. J'ai envie pour le reste. Il y aura d'autres lieux après, bien sûr. Hein. Oui, prévoit oui, mais... tout ce qu'elle est vu comment c'est fait, à mon avis, tu vois, tu sais, si t'es hôtel des ventes, suivant la difficulté, soit t'es dans une partie aléatoire, soit t'es dans presque tout, soit dans tout, suivant la difficulté que tu prends. Que ça soit de plus en plus grand, plus en plus labyrinthique, je pense. Mm-hmm. Donc je suis là, je vais faire un truc. Hop. Bravo. Bon, et là, c'est mieux au niveau de la voix. Oula. Bizarre. C'est bizarre, mais c'est plus compréhensible. Oui. Il y a Barry White avec une limonade dans le gosier avec des bulles. Oh là là. Parlons.
Par contre, je pense qu'il y a un endroit qu'on n'a pas fouillé. Ah, les égouts. Les WC. C'est les WC. Non, non, non. Le grenier. C'est, en fait... La cuisine. Quand le sage nous a fait monter et qu'on a fini dans la salle avec le coffre-fort qu'on a piraté ensemble, une scène où il y avait deux portes qui donnaient sur le couloir, il y avait un autre chemin dans la bouche d'aération. Et celui-là, on l'a pas pris. Ah, oui, c'est intéressant. Pourtant, il y a un plan là, au début, là. Reprenez les pieds de biche. C'est moi ou je suis nain par rapport à vous? Je vous vois plus grand que moi. Quoi? Non, tu t'es accroupi. J'ai un problème de caméra. Ah. Jean-Michel, caméra, revenez. Et donc, oui, ce que moi j'avais pris sur l'étagère, c'était bien un talkie-walkie. Je prends tous les talkie-walkie. Allez, je suis prêt. Non, mais je suis sérieux. Putain, mais je vois rien et je suis à ras du sol. C'est quoi ce délire? Pourtant, moi je te vois debout, hein. Oui, regarde. Enfin, je sais pas si je peux stream sur ce channel, mais... T'es là-bas, ouais. Bah t'es grand pour moi, t'es normal, hein. Mmh. Ouais, t'as un bug, peut-être. Attends, je vais lancer le truc, ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer. Pardon. Bah, le souci, c'est que j'ai rien pu... Enfin, j'ai pu prendre que le pibiche, quoi, mais bon, vas-y. Du coup, je peux me mettre prêt. C'est morning. Et bah, c'est toujours pareil. Génial. Alors là, déjà... Bon, tout ce qui fait pas au moins 1200, c'est pas la peine de le prendre. Ah oui, il y a le piège, c'est vrai, j'allais retomber dedans, moi. Ouais, mais t'es obligé d'y aller, de toute façon, dans le piège. Ah bon? Ah bah oui, il y avait la clé. Bon, bah j'y vais. C'est vrai. Allez, je vous la passe. Prenez la clé. Voilà, allez-y. Délivrez-moi, délivrez-moi. Ouais, je peux pas. Délivrez-moi, délivrez-moi. Par contre, vous êtes pas obligé de déclencher tous les pièges. Biggie. Et bim, le sage déclenche le piège. Ouais, on aime ça. Non mais attends, je vais prendre un screen, vraiment. Rallume le sage. Non mais, il faut le faire de toute façon, éteindre et rallumer quand il y a un problème. Vraiment, je vous envoie dans notre discussion de groupe. Oui. Vraiment, je suis un nain. C'est pas possible. Ouais, ouais. Oh, des niveaux procéduraux, punaise. C'est qui est avec moi, là, au niveau de réactivation de la lumière, là? Il y a un coffre. Ouh, je trouve un diamant. Moi, si j'y arrive, voilà. Gauche, droite, gauche, bas. Je te laisse remâcher parce que je vois pas l'intérieur. C'est un diamant. Oh les bâtards! Hop! Il y avait un saphir dans l'horloge. Je sais pas qui est-ce qui est à côté de moi, à côté de la bibliothèque, là. Il faut enlever les bouquins, il y a des trucs cachés derrière. Ah, là j'ai un rubis. Merde, j'aime bien casser. C'est solide, ouais. Ouais. Ah, j'ai plus de place dans mon pick-up. Aïe, ça c'était moi, merci. Attends, je vais juste prendre le bougeoir. Est-ce que je peux lancer le bougeoir dans la vide pour la péter? Eh, essaye voir. Attends, je me mets un peu à l'écart pour pas me prendre des bris de verre. Non. Ah non. Ah, bel allez. Essai. Mais c'est costaud, ça hein. Payé. Ouais, ouais, c'est costaud. Il y a un collier là. Ouais, ce bug est très relou. Hein. La bug est relou. Bah, tu pourras toujours faire remonter l'information au développeur du jeu. On s'en fout. Alors moi, je vais poser ce que j'ai dans mon... Ça vaut 300. Tout ce qui fait pas 1200, jetez-le. Hein, fais qu'à côté de moi avec l'appareil. Ouais,
C'est moi qui... Peu importe. Quelqu'un qui va appuyer sur le bouton là derrière. Ah oui. J'ai pris la tronche. Ah bah bravo. T'as appuyé sur le bouton, ça m'a tué. Merde. Voilà, c'est parti. Ça y est, ils m'ont relevé. Ah, d'accord. Je zoome ça. On ouvre la salle de contrôle. Ouais. Alors. Au bas, droite. Mais sérieux? Ah! J'ai un pistolet, mais j'ai pas de j'ai mon réticule de visée, mais j'ai le pistolet au-dessus de ma tête. Bah moi je veux. Non, il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Alors, droite, bas, droite, haut. Impeccable. Si je vais aller rapporter, t'inquiète. Saphir, il n'y a rien d'autre. Je pense qu'à terme, il y en a qui prendront tellement leurs aises avec le jeu qu'ils vont faire n'importe quoi. Du genre, le premier qui se pète un sprint dans toutes les alarmes, histoire de... Wow, c'est pas le même mob. Quoi? Quel mob? Ça, c'est un mob. Ah bon? Non, moi, par nous, j'ai croisé personne. Plutôt calme. Maintenance. Pour moi, cette statuette n'est pas là tout à l'heure et elle a des yeux noirs. Hein. Quoi? La statuette a bougé? T'es sérieux? Oui. Elle a pas bougé, elle était pas là tout à l'heure. Oui, bah c'est une bébête. Ouais pour moi, c'est une bestiole. Oh, elle a bougé. Là, elle a bougé, ouais. Faites gaffe. Ouais, elle tourne. Faut se barrer d'ici. Hein. Ou un autre chemin, mon ami. Waouh! C'est une entité maléfique. La salle de bain est toujours verrouillée. Oh, c'est son. C'est toujours verrouillé. Ambiance discothèque! On t'a vu bouger! Oh. Mais non! Comment ça, non? Bon, objectif, attends, qu'est-ce qu'on fait depuis? Attends, la musique là. On a pris que des pierres précieuses. Oh! Elle m'a suivi dans le couloir, la nalope. La statue aux yeux noirs. La nalope? Pardon. C'est quoi la nalope? Ouais, je savais bien que t'étais. Non, elle est là. Elle est nyctalope. Ah oui, complètement. Parce qu'elle voit dans le noir. Complètement, exactement. J'ai besoin de quelqu'un à la maintenance pour lever la grille et... Elle me suit, hein, elle-même, elle. Elle veut mon 06, là. Bah donne-lui, peut-être qu'elle te lâchera. Non. C'est ici, hein. Quoi, c'est ici? Ah, ah ouais. Non, j'ai plus de pellicule. Va mourir, l'amouré. Là, je sais plus, je panique. Mais comment on passe? Faut se baisser. Ouais. Ouais, mais parce que comme je suis baissé de base, j'ai du mal, je comprends. Faut la regarder, elle reste inerte quand tu la regardes. Quand tu la fixes des yeux. Ah! Il y a un truc qui a pété à côté de moi. Il y a le coffre-fort là. Je flippe à 200%, au secours maman. T'es où? Qui c'est qui fait le coffre-fort avec moi? Ah! Tu as... Mais non, mais je suis revenu dans la salle maudite. Alors. Mais je vais mourir, au secours. Bas, droite, gauche, haut, droite. Je suis sûr qu'elle m'a suivi, la vilaine. Et un diamant. Je peux rentrer là. Elle est là. Où ça, là? Elle est à la sortie de la salle de maintenance. Oh, la vilaine. Putain, j'ai un meuble qui est tombé.
Ouais, oh, elle a pris la pause. Regardez. Pardon. Je suis sérieux, elle a pris la pause. S'il y en a qui a un appareil photo, il peut la prendre. Hein. C'est collector. Wow. T'approches pas trop quand même, on sait jamais. Allez, vas-y. Y'a qui est venu avec moi là? Pourquoi j'ai plus de lumière? C'est pété ça. Ah, quelqu'un est devant moi. C'est moi. Ah, bah vas-y, tu peux passer, vas-y, je suis les à compte échelle. Moi j'en peux plus, moi je suis en PLS. Ah, je voulais 3 points. Quoi? Où je suis, mais je voulais 3 points. Ah, ça revient. Un pour aller au début. Ah, d'accord, c'est là que ça mène. Bah, d'accord, je vais ouvrir l'autre salle, moi, du coup. Putain, la pause qu'elle vient de prendre, ça fout les jetons, là. Ah, vous l'avez repéré, la vilaine? Devant moi. Non, mais elle doit être frustrée de. On dirait Scream. Oh. J'ai un souci! Comment ça? Elle est horrible. Bah, je dois descendre dans la salle, là, mais il y en a une autre dans la pièce. En fait, on peut jouer un 2-3 soleil avec elle. Tu te retournes, un 2-3 soleil. Hop, ouais, oui. Mais deux, moi, ça me fait penser aux anges pleureurs de Doctor Who. Oh. Attendez, je prends les bouquins colorés parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec les bouquins colorés. Oh, j'ai entendu un bruit de glace ou un objet. C'est moi qui ai cassé une vitrine. Non, ça c'est pas intéressant. Alors par contre, le problème, c'est que j'ai un coffre-fort à ouvrir, mais il va me falloir deux personnes. Deux personnes? Ah non, mon dieu. Attends, je trace dans le couloir pour revenir au début. Ah, oh, j'ai plus place. Bah en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai les deux vers moi. Et je suis en train de me demander, contrairement à l'autre mob, si elle... Et je pense que ce mob-là ne peut pas traverser les murs. Donc si on arrive à les enfermer dans la pièce... Mais de toute façon, il me faut tout le monde, là. D'accord. Il me faut au moins deux personnes. On va pas grimper, nous, dans les tuyaux en hauteur, là? Non? Il faut forcément quelqu'un. Mais il faut quelqu'un. Ah merde. Attends. Oh, mais c'est pas vrai. Ouais, je mets les bouquins près du sac, parce que je me demande si les bouquins vont pas servir à quelque chose. C'est bizarre que ce soit énuméré comme quoi... Ça a de la valeur, ça. Buste sans tête, $1000. Ah. Il y a quelqu'un qui vient de passer devant la salle, là, en courant. Attends, c'est moi, je vais mettre des trucs au sac. D'accord. J'ai jeté un tout sur la sac. Dans le sac. Ah, le calice, c'est bon. Enfin, il vaut pas grand chose, d'accord. C'est quoi ça? On dirait un piège, une trappe. Là, elles sont toutes les deux en mode « Viens avec moi uh-huh. !» En te tendant la main, là. Attends, vous êtes où, là? Moi, je suis perdu, là. Quand tu sors du sac, tu prends le couloir de gauche et je fais une porte ouverte sur la gauche. Là, je ne vois plus personne. On mâche dessus. Là, je vois une lampe. Hop, là tu viens de passer devant. Je sais pas qui c'est. Ah, je vous suis. Voilà, vous êtes deux. Ouvrez le coffre. Ah, elle m'a fait peur, là, madame. Attends, le coffre, il est là. Je la surveille, ouais, je la mate. Elle est en train de demander l'aumône. Alors, bas, haut, bas, gauche. Ouh, pardon, hein, n'oubliez pas que je peux crier parce que voilà, jeu d'horreur. T'inquiète. Sortez. Ah, il y en a deux. Comment ça, il y en a deux? Peu importe. Sortez et. Le sage, tu peux fermer la porte vers toi? Vers moi? D'accord. Bah, non, Christella, en fait, on aurait voulu sortir. Vas-y, je surveille. Vous êtes sûr? J'ai piqué le coffre là, donc j'ai des trucs dans le. Ça coûte combien? J'ai 1200 tout rond. Elle a ouvert aussi, la porte, la nanas. Je crois que c'était l'un d'entre vous. Ah, c'est une ananas, mais. Non. Bah, récupère les trucs là qui s'est. Ah, mais non, mais c'était pas assez cher, c'est ça. Ah, attends, il y a la deuxième qui bouge en même temps. Elle est dans la porte, l'autre. Non, bon. C'est pas le moment. Ah, les deux, elles sont. Je vais prendre une. Ah oui, elles dansent un tango là, les deux vilaines. Oh, elle a bougé.
Elle est coincée dans la porte là. Merde. Oui bah tant mieux, tant mieux. Je viens de jeter un joyau dans la pièce, je sais pas où il est. Ah merde, il veut l'être mis. Toi, t'as ton repoupon. Ça fait peur, on a des statues hantées qui nous courent après. Alors c'est bien parce que quand on recommence, c'est jamais le même. Je sais pas où il est passé. J'ai jeté un diamant qui a dû se partir se balader dans la pièce. Putain, ils vont nous ressusciter Dalida, je le sens. Ouais, ça s'en fout, 3000, on s'en fout. Ah 1200. Elle bouge la vilaine, je la vois bouger. Elle se met à nous voir. 4000. Je me fais dessus, je chante n'importe quoi pour me rassurer. Et je vois la vilaine bouger. Ah. Bon, on est pas mal là. Les deux sont coupés, les deux sont coupés. Je mate les metteuses. Enfin, je mate les. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Oh, t'as pas peur, tu passes à côté, toi. Tu leur demandes un autographe entier. Dans 5 minutes, tu vas lui claquer la bise. T'as salut pas... Non, mais t'abuses. Ta bise. Ah oui, complètement. Ah. Oh là là, elle a la bouche verte, elle a faim. Il y avait pas une clé dans cette salle-là que t'avais trouvée, Tinsen, d'ailleurs. Non. Moi, je m'appelais pas les clés, mais pardon, j'ai des trucs dans la, à donner là. Il y a plus de place dans le sac. Ah bon, t'as plus de place. Bah non, il reste plus qu'une seule place. Ah oui, on a plus de 100 000 $ de. Prenez la courroie, on se casse. La clé de la salle de bain ou des toilettes, je sais plus, tu l'avais trouvée où? Je m'en tiens plus, moi. Ah! Elle était dans le truc, dans le truc du directeur. Poupou qui m'a fait peur en lançant son jeu. Mais il faut la clé du directeur avant. Faut pas le directeur. Non, non, le directeur c'était la clé de sortie. Ah bah je sais plus, moi. J'entends un gémissement. C'est Kiki Queen. On dirait un bébé qui gémit. C'est là, gémit. Ah bon, c'est qui avec moi là? C'est retourné la peau de vache. C'était là. Si, faut qu'on. Mais le problème, c'est que moi je veux fouiller cette foutue pièce. Ah, mais comme je suis à ras du sol, je vois rien. Non, elle a bougé. Tu l'excites là. Elle s'apprête à bondir. Il faut fouiller la salle où il y a les statues. Il y a une clé qu'on n'a pas prise, qu'on a oublié qui est quelque part. Mais moi je n'y vois rien parce que j'ai la caméra à ras du sol. Pardon, je décris ce que je vois, ça fait peur. Moi je trouve des tuyaux, ils servent à quelque chose, des tuyaux. Je sais pas, pour que tu sois tombé sur un bon. Eh mais moi j'ai que deux statues dans le truc. Hein. J'ai deux tuyaux, mais. Non, mais moi, oui, mais il faut fouiller la salle. Il y a une clé là-dedans. Et l'autre, je l'ai plus à vue. T'en avais trouvé une tout à l'heure, alors je sais pas. Vous avez été dans les conduits d'aération là? Oui. Non, il y a trop d'araignées de poussière dedans. moi, j'y vois rien. Là. Mais je me fais popo dessus, je suis en train de fixer un monstre là. Bah, les bougies, je m'en fous des bougies, moi. Pardon de la non-action hein, de mon côté, mais c'est nécessaire pour la stratégie commune. Attends. Je fuis tellement qu'au niveau du beat, j'ai l'impression de perdre du poids instantanément en regardant ces horreurs. Ça me travaille. Ah, il y a une alarme qui a dégagé. Oui, je sais pas, il y a une ambiance discothèque là. C'est moi là. Je vais chercher une clé que je sais pas où elle est. Mais la demeure, elle est magnifique, en bois laqué, même au plafond. Bah enfin, bon, moi je croyais qu'elle était dans cette salle là, mais moi j'ai rien vu, il y a personne peur, là. Oui, non, mais arrête de. Voilà. Je vais pas provoquer la bête. La vilaine. Putain, je la fixe moi aussi, je fais un 2-3 soleil, elle est pas contente. Je l'ai neutralisée. Bon, le coffre, c'est pas encore. Il y en a que deux? Oui, tant mieux, va pas parler de malheur. Profitez de pour faire le casse du siècle. Moi, je la neutralise. Je sais pas où est la deuxième. Attends. Je suis en train de chercher une clé dans une pièce. Ah. Ah, j'ai trouvé la clé. Oh. C'est la clé, salle de bain, je l'ai. Elle est où la salle de bain? Je m'approche pas d'un pas. Une salle de bain. Elle est vers les madames, justement. Ah bon? Ah merde. Je me souviens pas d'une salle de bain. Déjà qu'on cherchait une cuisine. C'est pas dans le même jeu, ça. Je sais pas qui c'est qui avance avec son pied de biche, mais c'est par là-bas. Non, moi je mate les vilaines dans le corridor. La salle de bain, elle est là. Ah, devant moi? Oh, dommage, j'aurais pu me rafraîchir un peu si elles étaient pas là, les vilaines. Line. Ah oui, c'est écrit comme le port salut. Ah, il y a un gros cri là. Ah, c'est horrible. Gage que de. Ah, mais en fait, j'ai les deux à vue. Elles sont les unes à côté des autres. Ah, il y a un truc qui a tremblé à mort. C'est moi qui ai ouvert la grosse grille. Oh la vache, ça a fait trembler toute la baraque. Problème. C'est quoi le problème? Il y en a une troisième dans les chiottes. Ah merde.
Ah bah ça là c'est une vraie, non? Je sais pas. Il y a un truc derrière elle sur les toilettes, attends. Hop là, une tiare, hein. J'ai trouvé une tiare. Ah c'est bien, Jay, et... il est installé juste. Et la question c'est combien elle vaut la tiare? Au secours, j'ai 1200. Ah, y'a un trou là, dans les WC là. Ah bah oui, c'est normal. Oui, mais tu sais bien, ça retourne dans la salle de contrôle. Non, mais celui-là en hauteur. Quoi? Ah, oui. Ah, mais j'ai été téléporté dans les toilettes, c'est quoi ce bordel? Quoi? Je suis dans les. Oula, y'a un bug. Je suis dans le salon, enfin dans le boudoir, et j'ai été attrapé par la statue qui est dans les toilettes. Oh, j'ai pas elle bouge la vilaine. J'ai les trois vues. Au secours, je vais mourir dans 15 secondes. Mon Dieu. Ça, je suis pas derrière toi par hasard. Non mais je peux pas me retourner, les trois sont devant moi, je les hypnotise à la lumière. Elles viennent tous vers moi, c'est une nuit. Mais tu fumes trop le sage. Bah moi je vais crever, voilà. Mais non mais, je les ai à la lumière, donc j'ai neutralisé. Ah purée, juste au moment où j'arrive. Mais justement, tu reculais, t'aurais pu relever Christella. Mais non, mais bon, si je relevais Christella, je braquais plus ma lumière sur les trois, elle me sautait dessus. Je suis désolé, Christella, c'est pas contre toi, mais c'est contre les trois. Tu flippes trop, le sage. Mais trop vieux. Ah, nana. Bon, allez-vous maintenant, là. Je crois que c'est la clé de là que j'ai. Par contre, ouais, non. Il faut que vous regardez dans mon sac la tiare, comme elle vaut. Ah, putain. Tu peux venir dans le bureau du directeur Et le sage, va falloir que tu viennes. Oh merde. Mais je vais libérer les trois folles, là. Mais oui, mais... Le problème, c'est que... Il y en a une quatrième dans le bureau du directeur et on a le coffre... où on n'ouvre pas le coffre fort. Allez, cours, le sage. 3, 2... Déjà, je prends la clé déjà du directeur, déjà. Merde. C'est où votre truc? C'est qu'il faut le coffre avec moi, vite. Non, c'est pas dans le bon sens. Ah, c'était courte. Je peux pas... Là, tout droit, le sage. Tout droit. C'est bon, y'a personne derrière toi, c'est bon. Si. T'inquiète pas, viens, le sage. Voilà. Regarde l'autre là. Mais non, mais c'est une vraie ça, c'est pas. Alors attention. Non, oui, je croyais que c'était une pompe. Bah, bon, elle a bougé. Celle qui était dans les toilettes, elle était pareille. Et c'est celle qui m'a attrapé. Oh merde. Bon, alors que j'étais pas dans les toilettes. Donc il y a eu un autre truc. Oui, elles ont le bras long, mais c'est pas normal. Ouais. Oui, là, oui, c'était le cas de dire. Et on fait quoi maintenant? On ressort et on referme la porte quand on est sorti. Ah. J'en ai une en visuel. Ah bon? Vous êtes où là? Oh merde. Ah oui, les deux sont dans le ferme la porte. À côté de la sortie, en plus, ça sent. On fait quoi? J'ai la clé de sortie, hein. Ah! Mais elle va te TP. 30 secondes, vite. Tu leur enlèves? Ouais, elle est encore là. Ouais. La tronche. Parce que j'ai la clé de sortie, moi. Je vais déposer un truc à 4500 dans mon truc. Hein. Ouais, moi aussi. Yahoo! Merde, mais c'est qui trace? Bah ouais. Okay. On court, on va pas rester derrière, hein. Ah! Vilaine dans le salon. Elle s'est invitée pour le thé, la vilaine. Alors 1200, on s'en fout, j'ai un truc à 6 par contre. Voilà, j'ai inversé des trucs. Oh putain! Ah oui alors. Oh la vue! Et la couronne, on a toujours retrouvé la couronne royale, elle est où celle-là? Bah dans le coffre-fort. Ah mais il faut trouver comment on y arrive. Il faut le fusible. Il est où le fusible? Bah dans la salle où vous étiez tout à l'heure. Non, c'est moi qui l'ai, le fusible. Non. Mais... là, c'est un problème. C'est quoi le problème? Il va falloir arrêter de les regarder pour qu'elles rentrent dans la pièce. Ah bon? Ah bah, elles sont au rendez-vous, les nonasses. Tenez, j'ai un cadeau pour vous, mesdames. Prenez ce vase. On fait comment pour sortir, là? Ah, tu as raison. Ah bah si, non, le conduit. Prenez le conduit, je vais vous aider. Passez par le conduit, elles vont le guaquer. Et moi non, je suis encore mais voilà. Mais non. Faut pas que tu restes tout seul, le sage. Bah oui, mais prout. Ah les vilaines. Je sais que vous êtes il faut sortir dans la pièce juste là, hein. L'autre elle est refermée normalement. Okay. Non, la pièce qui était là.
pas celle du fond. Celle-là, il y a des barres là. Il est parti où? Mais tu vas vite toi, t'es parti où là? Putain, j'ai perdu là. Oh. Il y a moyen. Oh, une madame. Il y en a une aussi derrière. Tiens, vilaine. Mange-toi le seau à champagne dans la gueule. Ah! Elle a changé de posture, elle avait des crampes. Merde. J'ai perdu tout une scène. Oh oh. Quand vous appuyez sur la touche R, vous pouvez savoir où sont les différents partenaires. D'accord. Ouais. Il est dans le couloir. Ah, c'est pas mal! Merci, Christella. Sympa. J'aime bien parce que moi, ils m'ont mis des points d'interrogation alors que. Là, bon, j'entends le truc. Pas alors. C'est dommage, on peut pas la relever cette grille-là. Ouais, c'est dommage. Non, mais. Oh, ah, ça, c'est de l'arnaque. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, la meuf, je l'ai regardée, elle s'est foutue en plein milieu de la porte. Je peux plus sortir. Oh oh. Le sage peut pas sortir, je peux pas sortir, il y a ce que une scène et il faut être deux pour débrouiller le coffre, je rappelle. Et vous êtes où là? Bah, au début. Parce que là, je suis au cabinet là. Oui, bah, poste à praline, argent-nous, s'il te plaît. Merci. Ah bah, je les vois là, elles sont là. Bah oui, on fait comment? C'est bon. Alors, ce que tu peux faire. Alors, c'est très dangereux, mais ce que oui, tu peux faire, le stage, en fait. Soleil, ouais, j'ai compris. C'est ça, voilà. Mais. J'en ai 4 ouais, mais nous, faut qu'on aille au coffre. Tu viens? Il est où le coffre? Il est sur ta droite, là. Le couloir qui est à ta droite. Ah, il y en a une qui arrive. Oui, mais il faut qu'on s'en aille pour que le sage puisse partir, parce que tant qu'on les regardera, le sage il pourra pas les faire rentrer dans la pièce pour s'échapper. Me fais peur tout seul, j'ai fait tomber un vase. Pardon. Et je suis comme dans l'histoire, moi. Mais tourne-toi, c'est bon, Macarena, je sais pas. Tourne-toi, regarde, je suis là. Tu peux venir. Voilà, hop, c'est bon mieux. En plus, j'ai la clé sortie, moi, attention. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, on la volera sur ton cadavre. Elles ont disparu, les vilaines. Merde. Oh. Ça, c'était une mauvaise idée. C'était quoi la mauvaise idée? Elles sont toutes dans le coffre-fort. Elles sont tous devant le coffre-fort, ouais. Non, moi j'en vois une qui est devant moi là. J'en vois deux moi. Tu peux sortir ou pas? Oui. C'est à moi. Alors, il faut que tu sortes et que tu prennes un des deux couloirs qui est en face. De préférence celui qui est un peu sur la droite. Oh putain, c'est là où elles sont le plus proches les vilaines. Bah prends celui qui est à gauche alors, c'est pas grave. Sauf que, bah, une fois que tu arrives au bout du couloir, tu tourneras à droite et tu verras, il y a trois statues au plein milieu du couloir, faut que tu les regardes. Oh putain. Tu regardes. Ah, je vais choper. Je me suis trompé de touche. Oh les deux, les vilaines. Non, mais c'est qui qui a appuyé sur le bouton? Ah. Je me suis tombé de touche, je me suis pris les pieds dans un objet. Je suis mort dans le grand salon. Bah t'inquiète pas, je suis bloqué derrière une grille, je peux rien faire, il y a du gaz, donc je vais crever. Oh là là, super. Ah, tout le monde est mort. Et en plus j'ai la clé moi, super, j'ai la clé de sortie. Non mais tout le monde est mort de toute façon. Ouais. Waouh, et le jeu est dur, hein. Le jeu est dur. Incroyable. Ouais, le jeu a besoin de réglage aussi. C'est vrai. Mais bon, c'est une démo, voilà, donc... Ouais. Mais déjà, le fait qu'il y ait deux mobs différents, oui, c'est beau. De manière aléatoire, c'est déjà pas mal. Ouais, qu'ils s'apprêtent à faire du procédural, ça va être énorme. Un petit peu à la Content Warning, en fait. Ouais. Ah, mais Christella, elle avait des trucs dans son sac à dos. Ah, bah, oui, j'ai une sortie. J'avais une tiare. J'ai une sortie, moi. Je suis toujours le pire coéquipier, moi. Trop drôle. On se demande pourquoi. Moi j'y suis pas cette fois. Mais le meilleur tout à l'heure j'avais le meilleur coéquipier, mais je pense que c'est parce que j'avais relevé. C'est moi qui ai dû avoir relevé plus de monde. Je suis le pire des coéquipiers. On essaie d'en refaire une ou pas? Neutre. C'est quand l'heure du goûter là? Bah ouais, je sais pas ce qu'il a goûté, EJ. Que si EJ se sent prêt pour le supermarché, on se lance dans le supermarché. Là on peut monter à 16, hein, facile, hein, donc y a pas de... Waouh, c'est énorme.
Il est mort, il bouge plus, il fait quoi? Oui, il fait plus rien, Jay. Il disparaît. Bah, si, dis-re, j'ai installé le jeu. Oui, mais il l'a dit il y a 10 minutes déjà. Ah, oui, il a goûté. Ah, bah, on peut faire le supermarché alors. Alors, sinon, dans les autres modes qu'il y aura, il y a un musée. Ouais. Et une banque. Waouh. Il est prêt, Jay, il est prêt. Il est ready. Oh ben, on sort du jeu du coup. Hop. Oui. C'était bien, merci. À refaire pour essayer de finir une fois ce truc là quand même. Ouais, le prologue. Ouais, je crois que je peux finir un jour. Que...